En ce jour mémorable, je prends la parole au nom de toutes les populations de Niambalan pour remercier cette auguste assemblée et magnifier toute notre joie et notre satisfaction à l'endroit de nos partenaires, la coopération italienne, les partenaires Discos, CNTS et Agada. Chers partenaires, ce bout de papier me paraît insuffisant pour traduire tous les remerciements de la population de Niambalan au vu des réalisations de 2015 à nos jours. En effet, avec l'appui technique et financier de nos partenaires, le village de Niambalan a reboisé en 2015 15 hectares, en 2016 10 hectares et en 2017 15 hectares, soit un total de 40 hectares de mangroves reboisées en 3 ans, un record visible dans le département 7, sans compter les bénéfices environnementaux qui découlent de la régénération de la mangrove. Au-delà de ces 40 hectares, nous pouvons citer les retombées financières au grand bénéfice des populations du village, car chaque hectare reboisé a rapporté 210 euros. Je vous laisse faire le calcul. Dans la première année, avec les retombées, on a acheté une machine décortiqueuse à riz pour alléger les travaux des femmes, plus 500 litres de gasoil et 50 litres d'huile moteur et la construction du bâtiment qui l'abrite. Dans la deuxième année, dans le cadre du même projet, on a reçu aussi comme don 4 pirogues moteurs plus 25 gilets de sauvetage prêts à mouiller l'ancre au grand bonheur des pêcheurs du village. La portée de vos actions va au-delà du village de Niambalan, car ces hectares reboisés participent à la régénération de la mangrove. Et qui dit régénération de la mangrove parle forcément de la restauration de l'environnement, mais aussi un abri pour la reproduction de la faune aquatique. Le développement d'une communauté ne peut se faire sans les femmes et les jeunes. Et vous l'avez si bien compris en les appuyant en décortiqueuse et en pirogue. Le projet Sodipé nous a amené aussi au notre don du côté de Iscos, que nous invoquons avec fierté, la construction de la case des tout petits. C'est tout simplement pour se rappeler de ce que disait un inspecteur de l'éducation de Ossouï. Je cite, « Envoyer un enfant à l'école, c'est de le sortir des ténèbres. Et voici que Niambalan, petit à petit, sort des ténèbres grâce à vos actions. » Je me réserve d'entrer dans les détails des actions, car la liste est longue et c'est un jour de fête. Soyez donc rassurés que les populations du village de Niambalan vous porteront toujours dans leur cœur et que nos prières vous accompagneront tous les jours et partout. On espère que votre collaboration avec le village de Niambalan va continuer, parce que la base Casamance a besoin de se développer. Que le Tout-Puissant vous paye au centuple pour votre œuvre humaniste. Merci de votre attention.